Bonjour tout le monde, ici Pika Puff, c'est pour notre épisode de New Super... Non, non, non. New Pokémon Snap, oui. Là, on était rendu à faire la nuit dans la jungle. Donc, jungle de nuit. Donc, si on est, je vais peut-être m'attanner de faire des streams de Switch parce que le son est un petit peu... La qualité de mon dernier stream était moyen, j'ai vu. Fait que ça, c'est un test. Sinon, je vais retourner enregistrement. Ça va être aussi. Kitty! C'est quoi ce Pokémon-là? C'est une araignée? On voit ta face. Pas sûr. C'est quoi ça? T'es encore là, coccinelle? Ils sont immenses. Mais dans ma tête, c'était pas aussi gros que ça. C'est cool. Oh shit! J'ai manqué eux autres. De quoi là-bas? Un identique. Les autres font dodo. Je crois. Pas 100% sûr. Chose qui se passe. Pas tant. Pas tant. Des Magikarp. What the f... Qu'est-ce que... Une fleur de cristaux qui pousse à quelle hélice? Il dort, puis il shine. Pourquoi? Je ne comprends guère ce qui se passe. J'en ai peur. C'est trop bien cool. Oh!
saut de marche. Ça marche ces affaires-là, je pensais que ça faisait juste voler. Eh bien. Il y a un petit délai dans mes vidéos de Switch aussi, avec ma voix puis le jeu. Genre sur... j'utilise Steam Lab pour OBS pour streamer. Donc je sais pas s'il y a une façon pour que le délai soit plus là. Professeur Miroir, te revoilà alors. Tu as pu observer des différences de comportement chez Pokémon la nuit? Ben, on va voir. Un Léopardus. Juste une étoile avec lui. J'avoue que celle-là est quand même bien. Peut-être celle-là. Migalos. Oh, 3 étoiles. J'ai aucune idée. Je pense que la meilleure, ça va être celle qui sont 4. Celle-là, là. Malgré que celui-là est nice, mais je pense que celui-là va être meilleur. Un Marest. Celui-là. Un Coxyclac. Celui-là. Yann Mega. J'ai pas de 1 étoile ou de 2 étoiles, mais 2 étoiles, ça peut être un petit peu plus difficile, donc je vais le prendre. Fleur de cristal. Ruine antique. Pas plus de... Oh. Ouais. On le voit qu'à dalle, mais vas-y fort. Je peux faire mieux. Poche complète pour lui. Coxyclac. Oh, nice. Ok. Il mange. Ce sont des ruines antiques découvertes à Calais. Quelle fantastique trouvaille. Bon, c'est quoi la nouveauté là? La prochaine fois que tu exploreras la jungle de nuit, n'oublie pas de prendre en photo une fleur de cristal qui brille. Ces données me serviront à concevoir quelque chose. Que je prenne ça en photo. Fallait que je prenne la fleur en photo. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh, j'ai-tu une nouvelle quête? En fait, j'en ai une. Je crois que j'en ai une.
7 sur 19. Oui, on a Il pleut des Arbok. J'ai entendu un gros bruit et du coup, je me demandais, tu crois que ça arrive aux Arbok de tomber des arbres quand ils dorment? Ok, ça veut dire que c'est la nuit, ça. Il y avait des Arbok qui dorment dans les arbres? J'ai même pas remarqué. Oh, let's go. On continue. On retourne. Ok, là, je vais me concentrer vraiment, là. On va checker partout. Oui, ça, là. Oh shit! Il est là! Il est là! J'ai aucune idée si la... Oh, il y en a d'autres là. Il pleut des Arbok, il est tombé l'Arbok. J'ai aucune idée de ce que j'ai fait. Allez, sors de ta cachette, petite araignée. Tu veux pas? Il y avait quoi dans le gazon ici? Je m'en rappelle plus. C'est une belle photo ça. Des chats qui dorment. Oh! Je l'avais pas lu la dernière fois. Qu'est-ce qu'on va manger à la pomme? Ça aurait été le fun, j'ai une meilleure... Ouh, ça c'est nice par exemple. J'avais pas remarqué qu'il y en avait autant. Qu'est-ce qui fait ce bruit là? C'est quelque chose en dessous qui fait ce bruit? Non? À mettre quoi être cher. Ok. Faut que je prenne une photo de celui qui brille. Je pense à celui qui est là-bas. Non, pas celle-là. Celui-là à côté du quoi que ça aille. Qu'est-ce qu'il fait ce plat? Oh, c'est toi! Pas content? Parti où? Avec ce truc qui brille, on l'a acquis, on l'a. Qu'est-ce qu'il fait?
Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Je pense que j'ai pas de Magikarp qui mange quelque chose. C'est donc bien cool. Es-tu décédé? Je voulais pas faire ça. C'était un système de défense, je sais pas. C'est Arbok. Il faut que je le pogne en train de tomber. J'ai comme l'impression qu'il est en train de tomber là. Croquine. Il dit que j'ai une belle photo. Je pense que c'était celle-là. Oh, ouais. Ok. Une étoile, j'ai déjà quelque chose. Deux étoiles et trois étoiles. Il est mort. Magikarp, trois étoiles. Je n'en avais pas. Il est nice, celui-là. Bazookan. Je pense que quand il dort, c'est pas pire. Celle-là, elle a l'air quand même bien. Si on va oublier ça. Ça, je sais vraiment pas ce qu'il fait. Nice. Allons regarder tout ça ensemble. Non, j'en ai pas plus, c'est ça, c'est certain. Arbok. Je sais pas si on va compléter la quête avec ça, là. Ah, ça même ma petite affaire. Je complète Magikarp, man, magique. Magique. Parce qu'il est en train de dormir. Non, ça va qu'un, c'est non. Ok. Il y a un de mes gars en train de faire sa toilette. Yeah. C'est une fleur de cristaux qui pousse à Coelis. C'est la première fois que tu en fais arriver une luminescente. Ok.
Montée de niveau. Nos recherches continuent d'avancer à grands pas. Les Pokémon du coin se sont sûrement habitués à ta présence à force de te voir. À propos, maintenant que que nous avons davantage de données sur les fleurs de cristal, j'aurai une annonce à faire. Tu verras, c'est une bonne nouvelle. Je vois. Une annonce positive. Excellent travail. Grâce à ces photos, nous avons pu récupérer énormément de données. Ce qui m'amène au sujet du jour, à savoir ceci. Oh, c'est l'orbe machin truc sur laquelle vous travaillez, c'est ça? Vous disiez qu'il servait à faire briller les Pokémon et les fleurs. Tout à fait, c'est pourquoi j'ai décidé d'appeler cela un orbe luminant. Toutefois, les orbes de couleur bleue comme celui-ci ne peuvent être utilisés qu'à Anthos. Hein? Mais pourquoi? Ma théorie est que chaque île de l'Anthos émet une énergie qui lui est unique. Cette orbe n'est compatible qu'avec celle d'Anthos. En tout cas, c'est grâce aux données que vous avez récoltées que j'ai pu terminer à mettre au point. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Anthos, c'est... C'est ça, c'est l'île. Stylé. Ouais, c'est trop beau. Eh ben, c'est donc à ça que ça ressemble, la luminescence de l'Anthos. C'est le fameux phénomène lumineux, c'est ça? C'est intéressant de constater qu'il affecte les Pokémon autant que les plantes. Avec cet orbe, vous pourrez rendre les fleurs et les Pokémon luminescents de manière temporaire. Lorsque vous les utilisez, observez attentivement tous les changements qu'ils provoquent sur les Pokémon et les environnements. Professeur, est-ce qu'on peut avoir ceux d'Anthos? Bien évidemment. Super, retournons au parc naturel pour les tester. Parce qu'en gros, j'ai eu... Lumina d'Anthos, ok. De Skylis. Ok, j'en ai deux. Oh, Jesus fucking Christ. That's a lot. That's a lot. Oh my god. On a plein de choses à faire. Commençons par la première page. Cache-cache dans les fleurs. Je crois qu'il y a un Pokémon qui joue à cache-cache dans le champ de fleurs. Fais-moi signe si tu le trouves. C'est ce qu'on va faire. On va aller dans le parc, essayer la balle, et on va faire la quête en même temps. C'est bon? Aucune idée de ce que je vais faire. Mais... Supposé de faire de quoi de spécial? Non? Ils ont des réactions surprenantes. Je me rappelle plus de la map, honnêtement. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Donc quelque chose de proche. Je sais qu'il y a une fleur là. Il doit y avoir quelque chose à faire avec la fleur.
Il contient. Ok. Est-ce que je vais aller là ou... Intéressant. Dans le champ de fleurs, quelqu'un là. Ok, faut trouver l'intrus. Who is the motherfucker? Il n'y a pas une fleur spéciale. Est-ce que c'est lui l'intrus? Je sais vraiment pas. Ben non, il est tout le temps là, il est tout le temps... Je sais pas. Content, je vais le prendre. Pichou. Non. C'est quand même nice, celle-là. J'ai aucune idée. Tu vas avoir fait de quoi. J'ai pas fait aucune quête. Cache-cache dans les fleurs. Je crois qu'il y a un Pokémon qui joue à cache-cache dans le champ de fleurs. Fais-moi signe si tu le trouves.
l'ai pas fait ça. C'est quoi que j'ai fait? C'était-tu cache-cache dans les fleurs que j'ai fait? Il y en avait un que j'ai fait avec... Ne sais pas si long. Trois amis dans les fleurs, c'est ça là que j'ai fait. Donc ça n'a pas rapport avec eux autres. Je crois qu'il y a un Pokémon qui joue à cache-cache dans le champ de fleurs. Fais-moi signe si tu le trouves. Mais il y a tellement de Pokémon que je le sais pas. Vous en pensez quoi, vous autres? Mais est-ce qu'ils jouaient à cache-cache eux autres? Non, 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 non. Trois amis dans les fleurs. On va réessayer. On va réessayer. Dans le jour. Je peux aller plus vite, hein? What was that?
de doof. Manger. J'ai tout fait les Pokémon, c'est pas mal. Ok, là on garde l'œil tout le monde. Dans un Pokémon qui se cache dans le gazon. Mais où exactement? Non, oui, il y en a un là. Je pense que ça a marché ça. Je pense qu'il était caché, puis il est sorti là. J'ai l'impression que c'est ça là. Oui, non. Yui. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Je le sais pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais je crois que j'ai la quête d'activer. Je pense que on a complété cache-cache dans les fleurs. On va voir si c'est ça. Oh! Pis tu as une bulle? Ce qu'il n'avait pas avant. Moi, je pense qu'on l'a vu ici. Mission accomplie! Good job! Quête de fête. En base, on va regarder la prochaine quête. Je crois qu'il y a un peu. Ah ouais, ok, on a réussi. Tu l'as trouvé? Super, merci. Oh là là, il est trop choupi. Et oui, je l'ai trouvé. Prochaine quête, va être dans la nuit. Déplacement longue distance. J'ai vu Boule de Nœud se déplacer d'une manière incroyable, mais j'ai pas réussi à le prendre en photo. Tu voudrais pas essayer, toi? Il me semble que j'ai déjà réussi à l'activer, non?
Ok, on se voit dans la nuit. Pour boule de nœud. En même temps, on va explorer, voir qu'est-ce qui se passe aussi ici. Mais on va se focusser sur boule de nœud, principalement. Parce que j'ai l'impression que chaque affaire va avoir une quête. Donc j'aime mieux faire une quête à la fois. Donc on va se concentrer sur boule de nœud, on va regarder tranquillement. Parce que j'ai pas d'autres Pokémon à photographier, vraiment. Place pas. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'on va le revoir plus tard. C'est pas sûr que j'ai réussi mon affaire, moi, là. Oui, je l'ai réveillé, mais y a... c'est pas. Attends, moi qui étais. T'es-tu ici, celui que j'avais vu? Hey, j'en ai aucune idée. On peut-être pouvoir réveiller le. C'est quoi ce gars? Quoi? Tu es mort, toi? Reviens! Oh, il boude. Reviens! Qu'est-ce que fait ce bout-là? Jesus, j'ai eu peur. Quoi? Oh! Non, non, je sais qu'il faut que je la photographie plus tard. Oh my god, je l'amène. C'est une Queen Bee. Pas grand chose honnêtement cette run là. J'étais juste découvert les multiples trucs mûches. Je vais faire le Tangelo. Tangelo. Mais j'ai pas réussi, j'ai pas trop compris ce qu'il faut que je fasse. Et clairement qu'il m'est en train de me regarder pis tout là, comment. Tout est comme ah, je se passe, man. On prend un pot.
Quoi? Il brille. C'est ce que je pensais. Ok, il doit y avoir une façon spécifique de réveiller, de faire que. Ça me semble déjà fait. Je vais juste regarder la question, la quête encore une fois. Il y a peut-être des indices sous l'image. Mais il me semble que c'est avant le pont. Donc c'est au début. Je suis pas mal sûr de ça. Déplacement à longue distance. J'ai vu Boule de Neuf se déplacer d'une manière incroyable, mais j'ai pas réussi à le prendre en photo. Tu voudrais pas essayer, toi? Il est devant le pont, et je sais pas ce qu'il fait. Mais il brille, donc faut que je lance une balle. Clairement. On va réessayer. Et on va l'avoir. Si ça marche pas, ben Google, mon ami, va m'aider. Non, j'aime. À date, je veux les faire sans Google. Si je vois que c'est une impasse, puis je sais pas vraiment pas quoi faire. Allez-vous-en, pédouf! Ok, je sais pas si je l'ai eu. Est-ce que je peux abandonner? Non. Ça me dit qu'il va partir. Va-tu repartir? C'est tellement rapide son affaire là. Oui, je pense qu'on a réussi. Malgré que... Non... Comment ça, un chenipan? Oh my God. La seule photo que j'avais... C'est un Caterpie. J'ai photographié un Caterpie. Merveilleux. On va recommencer! Deux, s'il te plaît, merci. Donc on sait quoi faire. Il faut être prêt à photographier. Parce qu'aussitôt qu'on lance, il va partir. Donc. Je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai. Tu me niaises. J'ai pas photo. Oh my God. Il faut que je le. Il va avoir une petite bulle, non? Si je l'ai? Ou ça pourra pas? Peut-être que ça va me le donner. Non, il faut que je le voie en train de faire son Spider-Man. Pas juste parce que. Il faut vraiment que je le voie en train de jumper avec ses bras au loin. Clairement, on recommence. C'est moi qui est trop hâtif. Ok, ça veut dire qu'il faut que je m'en va en billet. Puis je vais m'approcher, c'est pas bien grave. C'est bien grave si je m'approche. Ok, ça clairement, ça l'est là. Je veux dire, si je l'ai pas. Puis que c'était un calopie que j'ai pogné. Je m'excuse là, mais non. Ça marchera pas de même là.
Ah ah, il y a une petite bulle, ça veut dire qu'on l'a eu. Celui-là est bien plus épique, là, on s'entend. En plus, je pense que je l'avais pas, cette 4 étoiles-là. Je le sais, je m'épate moi-même. Mission accomplie. Putain, page complétée. C'est pas fantastique, ça? Ouais, mais... Retour à la base. Plein d'autres quêtes à faire. Moi, j'aime ça, les quêtes. Petite quête, c'est le fun. Ça te fait penser. Ça te fait. Il y en a qui sont compliqués, il y en a qui sont faciles, c'est correct. Il y en a qui te font penser beaucoup. Ouais, il doit vraiment avoir beaucoup de force. Merci d'avoir pris cette photo. Ça fait plaisir. Prochaine. Avec Chenipot, ça dépote. J'ai tourné la tête 2 secondes et une hirondelle avait disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? J'ai jamais vu autant de... Chenipot à la même place. Comment tu fais? Avec Chenipot, ça dépote. D'autres affaires spécifiques faut que je fasse. Mais quoi? Je sais pas s'il faut tout le temps être niveau 3 ou quelque chose de même. Parce que j'ai déjà eu un combat entre l'hirondelle et le Chenipot dans le temps. Ben, puis comment j'avais fait pour activer ça? Ben, c'est clairement dans le jour. Donc on va faire Chenipot, ça dépote. On va essayer de le faire en tout cas. On peut voir l'émission par ici. Mais j'avoue que depuis que j'arrête pas de passer par le pont en bois, peut-être qu'il faut que je passe par le pont en pierre. Je me rappelle bien des hirondelles. Peut-être faut que je les effraie ou que je les photographie. Que je les active, je sais pas trop comment. Je me rappelle que quand j'avais passé sur le pont de pierre, m'emmené, il y en avait 3 qui me regardaient en face, en volant à côté de moi. Je pense que c'est là qu'ils se sont joints à moi. Peut-être que c'est ça que je fasse. On va essayer. On n'a pas rien à essayer. Cool. J'ai jamais vu ça. Même faire ça, c'est rare de le voir faire ça.
On continue ici. On va essayer de les photographier. Puis il devrait être là, non? Ou peut-être faut pas que je les active, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? Est-ce que vous voyez des hirondelles, ça? Parce que moi, j'en vois pas partout. Les voyez-vous? Oh! Je pense qu'ils s'en vont. Je pense qu'ils s'en vont. Ok, nice. Ok, faut que je me prépare. Faut que je me prépare. Faut que je lance. Faut que je lance ça dessus. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Il a fait un poison spray! Est-ce que c'est ça qu'il fallait que je fasse? Pourquoi il y en avait trois sa photo? Ça m'a conduit en erreur. Est-ce que c'est ça qu'il fallait que je fasse? J'en ai aucune idée. Bon, on va aller voir. Je pense que j'ai réussi. Oui. C'est d'or. Voici d'or. Mission accomplie. Nouveau record. Je le savais. Là, on a juste deux niveaux. Hein. Je sais pas combien d'épisodes que je fais de ça. Incroyable. Avec Jenny Pot, ça dépote, c'est fini. On l'a fait. Et ben, quand on l'attaque, Jenny Pot contre-attaque. Ben oui, tout à fait logique. Fait que la prochaine mission va être on y mange, on y dort. Ça fait longtemps que je l'ai, celle-là. Il y a un Pokémon qui dort dans les parages. Peut-être qu'il se montrerait s'il y avait d'autres Pokémon ici. Et ça fait longtemps que je l'ai. Et ça m'intrigue un peu. Donc on va la faire tout de suite. On va finir avec cette mission-là pour aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse de quoi. Je me rappelle bien, on le sortait. Non, comment tu faisais pour le sortir? C'était un pinceau qui sortait de là, hein? Je pense qu'il faut que je sorte de là autrement. On va faire ça. Mais je pense que l'atout que j'avais, maintenant je l'ai. Hein? Oh, des photos mieux. Mmh.
pas sûr de celle-là. Non, ça c'est une quête, je veux pas le faire, je sais même pas c'est quoi. 3 étoiles, on va le mettre. Salut Vanity, comment ça va? Super bien, merci. Ok. J'ai sorti le pinceau. Le pinceau n'a rien fait. Je suis intrigué. On y mange, on y dort. Il y a un Pokémon qui dort dans les parages. Peut-être qu'il se montrerait s'il y avait d'autres Pokémon ici. Faut que je me dépêche à le réveiller. Mais c'est pas lui qui dort. J'ai aucune idée. On y mange et on y dort. On va le réessayer. Une dernière fois. Après ça, je vais aller sous ce mat. Ok, on va faire Pokémon de nuit. On y mange et on y dort. Mais un Pokémon. J'ai pas remarqué aucun Pokémon apparaître hors le pinceau. Ok. Spider-Man. Oh ouais, fais ton Spider-Man. Oh, c'était nice ça. Peut-être faut que j'active la fleur avant. Ça se pourrait. Oh! Ça doit être ça. Ça doit être clairement ça. Ok, je pense que c'était ça la quête. J'espère que c'est ça. Yes. Elle est belle. C'est une de Kate, ça? Ouais. Ok, let's go. Yes, mission accomplie. Ok, fait qu'on a complété la quête. J'espère que c'est la bonne quête que j'ai complétée. Parce que sinon, ça va faire du mon affaire.
Yes, sir. Bravo, tu l'as trouvé. Skagno semble apprécier cet arbre, sûrement parce qu'il est la folle de sa sève. Good job. Fait qu'il va nous rester quand même. Les ailes, c'est surfait. Oh my god. Ça, c'est la celle que j'ai. Pas acceptée, que j'avais pu accepter. Ne sois pas timide. Fait qu'il nous reste. Les ailes, c'est surfait. Ne sois pas timide. Danse avec la reine. Pour qui travaille-t-il? Des chrysaciers suspendus. Quel est ton pollen préféré? Il pleut des arbocs. Quand il repose ses ailes. Quand il repose ses ailes. Le Pokémon du grand arbre. What the fuck is that? Opération rapprochement. Ok, on va arrêter ça là. Donc, merci d'avoir été là tout le monde. Je vous ai piqué à tous. Et à la prochaine.